On commence cette visite sur les chapeaux de roue puisque j'essaye de suivre Jojo tant bien que mal dans les petites routes de campagne de Bretagne. Alors je pense que Jojo, vous allez l'adorer et surtout vous allez aimer ce qu'il a fait pour ses petits-enfants. Il a construit une cabane gigantesque au sommet des arbres. Vous allez voir, moi je garde un œil sur la route, on se retrouve directement sur place. Ouais, donc je m'appelle Jojo Lozac, j'ai 73 ans. Et donc j'ai décidé de faire la cabane pour mes petits-enfants. C'est pas pour louer, c'est pas pour habiter à l'année, c'est pas pour, pour faire du business. Je l'ai fait pour le loisir. Et voilà, l'idée de construire la cabane, je l'avais déjà, j'avais déjà pensé il y a 40 ans quand j'ai acheté le terrain. J'avais vu les trois arbres, les quatre arbres, à 4 mètres l'un de l'autre. Je m'étais dit, là, il y a moyen de faire une belle cabane. Et donc, j'ai commencé à récupérer des matériaux de récupération. Mais j'ai eu une chance pour faire les murs. Je suis arrivé chez un concessionnaire, j'étais pour acheter du bois, pour faire le. Il me dit, mais ici, moi j'ai des palettes qui font 4 mètres sur 2, creuses. Donc il suffit de poser une palette debout, 4 mètres sur 2, ça y est, la cloison est faite. Après, on veut mettre une fenêtre, un coup de tronçonneuse, 4 vis et la fenêtre est en place. Donc ça a été assez rapide de monter la structure. Le toit, ben, c'est des bâches plastiques, des tapis roulants pour ramener les fientes de poulet dans les poulaillers. Les poutres qui sont sous le plancher, c'est pareil. J'étais à 3 km d'ici, chercher en forêt, couper là, c'est du châtaignier que j'ai coupé. Entre au début où j'ai commencé à récupérer des matériaux et que là, ça a été fini l'été dernier, il s'est passé 4 ans. Mais moi, il y a surtout eu 2 ans de gros chantier, mais il n'y a jamais eu beaucoup de personnes sur le chantier. Je voulais pas trop de monde. Avant d'attaquer avant de faire la cabane, ne serait-ce que pour savoir où mettre les comme la fenêtre, hein, ou pour voir un peu ce que ça pouvait représenter. Alors, donc, coin cuisine, au départ, il n'y a pas d'électricité, donc c'est garde à manger. Ben voilà. Ce serait ce que pour chauffer les mains. Donc là, il y a le chauffage qui arrive. L'air pulsé. Donc, on peut couper ici. Oui, les troncs d'arbres qui sont là, en fait, sont vivants. Il y en a un là qui démarre presque au pied du lit. Et au printemps, il y a des feuilles. C'est plus joli au printemps que là. Là-haut, il y a eu un souci au départ, au montage. C'était la poutre. Comme les arbres ne bougent pas tous en même temps, ils ne prennent pas le vent tous en même temps, j'ai été obligé de faire des chariots et des rails pour que ça puisse, pour laisser l'arbre. Voilà, le grenier pour les plus petits. Et ici, la douche. Ben bon, là, c'est pareil, elle est hors d'eau, puisque sinon, ça marche. Au niveau installation d'eau, il y a une citerne de 1000 litres en bas. Et avec une pompe, je fais monter l'eau dans la cuve de 200 litres. Et après, elle descend par gravité pour les toilettes, pour la douche, pour le lavabo.
Et après, c'est recyclé, c'est récupéré dans la cuve jaune. Ils ont usé, ils ont récupéré. Moi, j'allume le barbecue tous les samedis midi. C'est l'été, donc il n'y a pas besoin d'invitation. Les gens viennent avec ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils ont envie de boire. Et des copains, des voisins, des anciens clients du garage, parce que j'ai été 30 ans, là, donc... Mais moi, je me plais ici. Bien, pas aujourd'hui, mais l'été, c'est... Je suis autonome, hein, je fais mon électricité tout seul. Au niveau les poubelles, il y a le tri sélectif, il y a la douche, il y a le minimum. L'été, c'est agréable. Hein. Alors, quand on était confiné, au premier confinement, j'étais ici. C'est pendant le confinement, j'ai fait le chauffage et l'élévateur, enfin le monte-charge. Ça, c'était pas là avant. Et là, j'ai pas vu le confinement passer. Hein. Posé dessus, mais posé dans la fourche des arbres. Ouais. Mais par contre, si le bois mort est boulonné, pour que ça fasse bloc, quoi. Mais pas, j'ai pas touché aux arbres. Autrement, les branches sont restées. Il y a même des branches qui traversent la pièce. Ouais. Ce ne sont que les matériaux de récupération. J'ai acheté juste les huit poutres de 8 mètres de long, mais tout le reste, enfin, le parquet bien sûr, le plancher, mais tout le reste c'est de la récupération, hein. les grilles, enfin tout, 90% de la cabane vient de chez pratiquement le même récupérateur. Je suis au moins deux jours par semaine. Ah oui? Ah ben oui, tout vient de là-bas. Hein, je ne sais jamais ce que je vais ramener, je ramène toujours quelque chose. Ben, le tri sélectif, là-haut, c'est comme un vide ordure en ville. Donc les bouteilles passent là, le plastique passe là, et les autres déchets sont même mis directement en sac. Vous voyez, le sac est là. Donc là, j'ai fait un système de chauffage, parce que j'aurais pu mettre un poêle dans la cabane. Mais alors, une brindille qui tombe, ou c'est l'incendie assuré. Tandis que là, c'est de l'air pulsé que je souffle là-haut. C'est beaucoup, j'aurais eu en plus l'obligation de porter le bois là-haut. Tandis que si le bois, je l'ai en bas, et la chaleur monte toute seule par la soufflerie. Sur la serre, dans le caisson, j'ai trouvé un serpentin, un réservoir, et ça fait production d'eau chaude. Là, je l'ai vidé, parce que il y a la neige, c'est l'hiver, mais il y a une production d'eau chaude. En plus du chauffage. Donc là, j'ai mis en place un monte-charge avec un mât d'un télescopique, d'un Manitou, et une cabine que j'ai trouvée chez le ferrailleur. C'est un camion qui s'est scratché avec des cellules, des cabines d'informatique, je crois. Elles étaient toutes de rayées et cabossées. Donc Ah oui, ça, c'est pas du tout une cabine de... Du tout, c'est de la récupération, mais elles étaient toutes neuves. Elles étaient moitié vitrées, moitié tôle. Mais elle a l'allure. Donc ici, avec la remorque, c'est des panneaux de récupération aussi. Je produis mon électricité, je recharge des batteries. L'électricité produite est récupérée dans des batteries. Et ça sert pour la musique et la lumière. Prochain projet, ça va être le tipi. Alors j'ai le temps, je suis en train d'obliger. C'est les peupliers, ils sont pareils, ils sont en cercle, ils sont à 6 mètres l'un de l'autre. Donc je vais les rapprocher, les faire se croiser. Et quand ils sont vraiment... ils sont toujours vivants, mais ils seront emmanchés l'un dans l'autre. Je vais mettre des bâches et puis... faire un foyer au milieu, laisser une ouverture. Mais ça, je vais le faire. Merci Jojo de nous avoir fait découvrir votre cabane que vous avez construite donc à 6 mètres de hauteur. Tout en matériaux de récup. Oui, c'est moi qui vous remercie d'être venu me voir.
Et je suis fier de montrer ce que j'ai fait, n'étant pas ma profession. C'est vrai. En tout cas, si vous, derrière votre écran, vous avez des questions concernant les constructions de ce type, on pourra vous mettre en contact avec Jojo. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à laisser un commentaire si ça vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite.